Vous l'avez deviné, elle adore cette façon de conduire. Elle est d'ailleurs faite pour ça, c'est la sportive milieu de gamme de Renault, la Renault 19. Produite de 1989 à 1997, la Renault 19 a été considérée comme un gigantesque pas en avant de Renault, autant sur le point mécanique qu'esthétique. Esthétiquement parlant, on appréciera sa ligne fluide mais néanmoins compacte. Surbaissée, spoiler avant, jupe latérale, échappement sport, la Renault 19 annonce la couleur. Ajoutez à cela de magnifiques jantes 13 pouces ainsi que des projecteurs additionnels pour finir de lui donner un look de mangeuse d'asphalte. À l'intérieur, en revanche, on est resté plus sage. Mis à part le côté luxueux de l'assise de conduite, le tableau de bord et les équipements restent sobres et fonctionnels. On regrettera cependant la climatisation, très utile lors des grosses chaleurs. Notons par ailleurs l'équipement audio de très bonne qualité et très performant pour une voiture de cette catégorie. Notons aussi une option très intéressante, le réglage permanent du volant qui permet d'adapter la position de conduite aux déformations de la route. La R19 est parfaitement adaptée à un usage sportif. Le système de suspension et le freinage s'adaptent aux situations les plus extrêmes. Le grand confort n'est donc pas le point fort de la Renault 19. Ce qui nous intéresse se trouve ici. 4 cylindres, 1764 cm3, 8 soupapes, 92 chevaux. La Renault 19 n'est pas seulement très belle et séduisante, elle est aussi particulièrement efficace sur la route, un comportement remarquable en conduite sportive, un peu trop même, puisque de l'avis des pilotes qui l'ont essayé, elle colle littéralement à la route et refuse de partir quand il fait froid. Ce bolide réalise le 100 mètres départ arrêté en 4 secondes 5 centièmes. Attention, ça décoiffe. La Renault 19 est donc une sportive polyvalente. Très efficace en ville pour ses accélérations fulgurantes et son petit gabarit, elle se monte parfaitement à la hauteur lors des longs trajets sur autoroute.